N'ayant qu'un diplôme de pharmacien, je n'ai jamais appris la gestion, je n'ai jamais appris le management, et lorsque j'embauche, c'est simplement pour déléguer quelques responsabilités supplémentaires auprès de tout collaborateur qui, je l'espère, dans sa fonction, prendra une autonomie pour s'approprier l'entreprise et que le projet d'entreprise soit son propre projet personnel. Ma porte est toujours ouverte, on peut toujours venir me consulter à n'importe quel moment du jour et parfois même au-delà de la journée, avec bien sûr la plus grande réceptivité. Et si je devais parler d'un management qui marche, je pourrais simplement vous dire que le management par la gentillesse est le meilleur investissement que l'on peut faire dans ses troupes pour se les fidéliser et pour les emmener très très loin dans l'aventure. Aujourd'hui, tous ceux qui ont commencé il y a 25 ans se retrouvent encore à mes côtés et pour un bon nombre d'années. Nous avons aussi également souffert des difficultés de partager notre projet avec des administrations de la santé en Belgique, en Europe. Et c'est vrai que les compléments alimentaires, c'est un petit peu la zone grise. On est très proche du médicament, mais on n'est pas enregistré comme médicament. Et on comprend là toute la difficulté d'exister dans un monde qui ne comprend pas toujours nécessairement nos intentions et les objectifs. Nos objectifs qui sont vraiment d'apporter le bien-être, un équilibre affectif, émotionnel.